J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous sommes dans la municipalité de Saint-Stanislas. Ici, c'est la rivière Mistassibi qui a une réputation mondiale. Ici, c'est la rivière Mistassibi qui passe à travers, bien sûr, Saint-Stanislas. Et je suis avec Pascal de Québec Craft. Pascal, c'est une rivière reconnue presque mondialement. Ici, la Mistassibi pour, je ne sais pas moi, le kayak, pour le rafting aussi. Bien, définitivement, on est vraiment chanceux ici. Comme vous voyez, on est entre le rapide Overdose et Colorado. Puis la rivière Mississippi, c'est vraiment une rivière de classe internationale. On est vraiment gâtés d'avoir ça ici. Tellement international là, qu'il y a le championnat du monde de kayak d'eau vive extrême qui s'est fait ici. C'est en plein ça. L'an dernier, on a eu les championnats canadiens de rafting et au printemps cette année, on a eu le Grand Prix d'eau vive qui a eu deux segments dans la région, dont un a eu lieu ici sur la rivière Mississippi au début de l'année, au début du mois de mai. Là, on voit les kayakistes qui sont en train de s'amuser. Ça a l'air facile, Pascal. Non, à vous, hein, ça a de l'air facile, mais qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens que c'est beaucoup plus accessible que les gens ne croient? Nous autres, ici, sur la rivière Mississippi, on a plein d'activités pour tous les niveaux d'apprentissage. On a du rafting familial pour les flots à partir de 4-5 ans. On a du rafting, on a de la luge d'eau où tu affrontes la rivière là, à pleuvant tout seul. Ça, je serais capable. Là. Bien, c'est certain, tu serais capable. Dans les conditions de participation, c'est déjà c'est peser 90 livres, être game et déjà avoir fait un activité d'eau vive. Fait que dans ton cas, tu m'as dit que tu as déjà fait du rafting auparavant. Okay. On aurait pu t'embarquer puis te faire vivre l'expérience. Bon, parle-moi de rafting. Québec Raft, Saint-Stanislas s'en vient de plus en plus connu pour votre rafting. Là, quand on entend parler Saint-Stanislas, on entend tout de suite le mot rafting. Bien, définitivement. On a une rivière de classe internationale. Fait que déjà là, ça rend notre travail facile. De plus, on a une équipe chevronnée, des guides passionnés d'expérience qui sont ici pour accueillir les gens. Et je pense que ce qui a fait que notre entreprise a pu prendre la croissance, c'est la qualité de la rivière et le bouche-à-oreille des participants là, dans la région. Ouais. Je crois que c'est vraiment eux qui sont les meilleurs juges là, de notre activité. Pourquoi, Pascal, cette rivière-là, bon, d'ici jusqu'au cœur de la municipalité, elle est si particulière? C'est que il y a du bon niveau, du bon débit, mais c'est pas dangereux. Bien, regarde, c'est certain que toute activité a un risque, mais sur la rivière Mississippi, on a vraiment la chance de faire un rafting à gros débit. Et qu'est-ce qui souvent est un risque sur les rivières, sont les roches ou quoi que ce soit. Et ici, vu que c'est vraiment une rivière à grosse cassure, à haut débit, on n'a pas le risque de frapper autant de roches que sur d'autres rivières où c'est des champs de roches, quoi que ce soit. Et un des avantages ici, c'est qu'on a un débit intéressant ou un débit constant tout l'été. Fait qu'on est une des seules places au Québec où on peut se retrouver, Marie-Christine, à avoir de l'eau haute et de l'eau chaude en même temps. Wow! Ah, c'est plaisant. Est-ce que tu as le temps d'en faire, Pascal, du rafting, toi? Ben oui, moi, je suis sur la rivière quasiment à tous les jours. Je suis chanceux, en plus d'être propriétaire, je suis gérant de rivière. Fait que c'est moi qui s'occupe de tous les voyages sur la rivière avec nos kayakistes de sécurité. Fait que après du contraire, je suis sur la rivière 5 à 6 jours par semaine. Tu sembles être très dynamique, Pascal. Les gens ont donc le plaisir de t'avoir bien souvent dans leur rafting aussi, parfois. Oui, définitivement. Moi, il me semble que je serais bien avec toi. Ben oui, ben je crois. T'as l'air de bonne humeur. Ben toujours. Ben, c'est difficile de ne pas être de bonne humeur. Hein? On a une belle recette ici, puis on a tous les ingrédients pour l'avoir. On a la bonne rivière, on a des bons guides, puis quand il y a du monde qui nous vient nous visiter, mais c'est dur de rater une recette quand on a tous les ingrédients là. Jusqu'à la mi-septembre ici? Jusqu'à la mi-septembre. Nous, on est ouvert du début du mois de juin jusqu'à la mi-fin septembre, dépendant des réservations. T'es sur Internet? Définitivement, québecraft.com. On va aller voir notre site Facebook à facebook.com/québecraft. Merci, Pascal. Bien, ça m'a fait plaisir, Marie-Christine. Passe-moi le wetsuit, je m'en vais faire de la luge. Oh, là, vous l'avez bien entendu, hein? Chaque municipalité ou presque de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a son festival. Ici, à Saint-Stanislas, c'est le Festival du Faisan. Chaque année, depuis maintenant 39 ans, en septembre, Yannick, Festival du Faisan, il faut absolument que tu m'en parles parce que je n'ai jamais malheureusement assisté à votre festival. Ça s'en vient. C'est très particulier. On est au sommet de la tour et c'est ici que les faisans s'envolent. Oui, c'est bien ça. Ici, le Festival du Faisan, c'est le seul festival en région où se déroule la chasse.
Tous les autres festivals, normalement, parlent de chasse, mais ils ne s'en déroulent pas. Mais ici, on est au sommet de la tour. C'est la tour du roi qu'on appelle. C'est un cercle de 200 pieds de rayon. Et les faisans sont lancés du centre de la tour. Les chasseurs sont autour et attendent le faisan qui se dirige vers eux. C'est 6 faisans en même temps? Non, c'est par couloir. Un couloir est de 6 faisans. On envoie un faisan à peu près à toutes les minutes. Okay. Pour donner le temps aux chasseurs de tirer le faisan et de voir où ce qu'il est. Puis... Donc, les chasseurs aiment ça, ce festival-là. Il y a les chasseurs sont fous de ce festival-là. Donc, ils sont là avec, avec leur fusil et puis ils font tomber le faisan, c'est ça? C'est ça. Ben, si le faisan s'en vient vers eux, ils tirent le faisan. Et une fois que les 6 faisans sont lancés, ben, il y a un drapeau rouge pour annoncer aux gens qu'ils peuvent aller chercher le faisan. Chaque chasseur est accompagné d'un guide et souvent, la plupart du temps, c'est le guide qui va chercher le faisan. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on... Puis le public peut venir voir ça aussi, Yannick. Oui, il y a des estrades aménagées au bout du terrain. Comme ça, les gens peuvent voir. On voit très bien tout ce qui se passe. Puis c'est vraiment... faut voir ça. Le site s'y prête bien. Pour ça, Saint-Stanislas, on voit un petit peu partout, justement. On voit ici l'église. Ici, on a une belle vue sur le village aussi, Yannick. Ah oui, c'est très beau. C'est pour ça qu'on a aménagé cette galerie-là, pour que les gens puissent venir voir. Entre les battues, les gens sont invités à venir passer. On a une grosse demi-heure entre les battues que les gens peuvent venir visiter puis voir la vue. Ça vaut vraiment la peine de voir. Yannick, comment tu appelles ça ici? C'est là où est-ce que les responsables vont lancer les faisans? C'est ça. C'est vraiment une tour. C'est simple, les gens sont à l'intérieur puis lancent les faisans du toit de la tour. Les faisans, par la force des choses, se dirigent vers les chasseurs. Toi, t'es pas un chasseur, Yannick. Non, du tout. Mais tu t'impliques pourquoi dans ce festival-là? Qu'est-ce qui t'anime, toi? Ah, c'est que je suis quelqu'un qui travaille 4 jours par semaine, j'ai du temps. Ça me fait plaisir de donner du temps et d'aider ma communauté. C'est pas mal pour 40 ça. 40 ans l'an prochain? Oui, ça va être notre 40e anniversaire l'an prochain. On espère faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Peut-être donner des spectacles. On travaille sur ça. Eh bien, Yannick, c'est un rendez-vous 9, 10, 11 septembre ici, à Saint-Stanislas, au cœur de la municipalité. C'est pas dur à trouver. Non, ça t'a pas manqué. Merci. Merci beaucoup. Il y a un lac à Saint-Stanislas. C'est le lac Éden, à une dizaine de kilomètres du cœur de la municipalité. Vous pouvez venir même vous baigner parce qu'il y a la très belle plage municipale. Il y a un terrain de camping et c'est tout à fait gratuit pour tout le monde. Et autour du lac Éden, il y a des chalets absolument magnifiques. Venez découvrir cet endroit du côté de Saint-Stanislas. Mario Biron est le maire de Saint-Stanislas. Monsieur Biron, c'est votre passion, ça? Ah, vraiment. Vraiment, c'est ma passion. Puis c'est un petit peu la passion de la famille aussi. Mon épouse, mes enfants, on a... Chacun votre cheval. Oui, c'est ça, oui. Oh, on aime ça, c'est relaxant, on s'en occupe. Puis... Bien, l'endroit où vous demeurez aussi, puis Saint-Stanislas, c'est un peu ça. Faut aimer la nature quand on demeure dans un endroit bucolique comme ça. Bien, absolument. Si on n'aime pas la nature, on peut pas rester à Saint-Stanislas parce qu'on est vraiment en forêt. On n'a pas besoin de chaleur en forêt, on est en forêt. Oui. Il faut vraiment aimer la nature, oui. Bon, c'est une municipalité d'environ presque 400? Ou... 350 habitants. 350. Oui. Plusieurs oui. ont des chalets. Plusieurs ont des chalets au lac Éden qu'on a vu précédemment, oui. Et monsieur le maire, il y a un parc des Grandes Rivières, un beau projet qui s'en vient. On a vu un investissement. D'ailleurs, la conférence de presse a eu lieu ici, à Saint-Stanislas, chez oui, vous. Oui, oui, oui. Monsieur Lebel s'est déplacé de venir faire ça ici. Oui, c'est le parc des Grandes Rivières. C'est un beau développement. On va avoir... environ 32 à 34 nouveaux terrains de développement de villégiature sur le bord de la rivière. Mistassibi. Mistassibi, oui. Une des plus belles rivières au monde même. Oui. Vraiment. Et aussi, il y aura un aménagement, donc sentiers pédestres, mise à l'eau. Oui, tout est à bâtir. Il va y avoir des sentiers pédestres, des mises à l'eau, des belles vadaires pour admirer la rivière, les rapides et tout ça. Tout va être bien aménagé. Là, ça s'en vient l'an prochain. Oui, vraiment. Bon, sinon, Saint-Stanislas... J'ai remarqué que vous avez une très belle église aussi. C'est pittoresque. Il y a quelque chose de, je sais pas, quelque chose de charmant chez vous. C'est le village qui est vraiment charmant. Mais le monde aussi est charmant. Le monde est chaleureux. Le monde est dynamique à Saint-Stanislas. C'est un bel endroit. C'est le fun de vivre à Saint-Stanislas. Vous êtes maire quand même assez récemment. Est-ce que vous aimez ça, votre vie de maire, M. Biron? Vraiment, je suis dans ma deuxième année, mon premier mandat, ma deuxième année. Puis plus ça va, on dirait que je me sens plus à l'aise aussi. Ça va vraiment bien. Les citoyens sont gentils aussi. On n'a pas de problème. On n'a pas de chicane de village. Ça va vraiment bien chez nous. Fait que le mandat du maire est beaucoup plus facile.
On commence à connaître, on l'a vu aussi, Saint-Stanislas, pour ce qui est de rafting. Donc, vous allez être connu grâce à cette fameuse rivière Mistassini aussi. Vous voulez la mettre en valeur? Bien, absolument, absolument. C'est de toute beauté. Puis, elle est de niveau international pour la compétition. On l'a vu l'an passé avec le championnat canadien de rafting. Cette année, avec une tranche du championnat mondial de kayak en eau vive, oui, on veut mettre ça d'avant. Puis, surtout avec le parc des Grandes Rivières aussi, ça se complète. Monsieur le maire, vous êtes fier? D'être maire de Saint-Stanislas, comme vous l'appelez, Saint-Stan? Saint-Stan, oui, oui, je suis vraiment fier de ça, j'aime ça. Puis ça fait des nouvelles expériences, on connaît de nouvelles personnes aussi, ça fait des bons contacts, j'aime vraiment ça. Donc on invite les gens à venir vivre une expérience de rivière ici ou à venir tout simplement découvrir votre beau village, je pense. Absolument, on les invite tous, oui. Merci, monsieur le maire. Plaisir. C'est ce qui complète cette visite de la municipalité de Saint-Stanislas, communément appelée ici par les gens du coin Saint-Stan. Non, mais je m'en viens bien à l'aise. Je me suis même trouvé un très beau chalet en bois rond aussi. Non, mais c'est la vie de chalet, la vie de villégiature, la vie de nature du côté du lac Saint-Jean. Je vous dis à demain. Bonne fin de journée. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chapdelaine.